L'OMS décrète une urgence de santé publique de portée mondiale contre Ebola. Sa directrice générale, le docteur Margaret Chan, l'a annoncé ce matin à Genève en conclusion de 2 jours de réunion de son comité d'urgence. Selon Margaret Chan, il faut une réponse internationale coordonnée pour arrêter et faire reculer la propagation internationale d'Ebola, alors que la situation continue de s'aggraver. Mais cela ne signifie nullement que tous les pays, voire de nombreux pays, verront des cas d'Ebola, dit-elle. L'OMS souligne que les chefs d'État des pays affectés doivent décréter un état d'urgence, ce qui est déjà le cas en Sierra Leone et au Libéria. C'est la plus grave crise d'Ebola depuis sa découverte en 1976. Près d'1 millier de personnes sont déjà mortes en Afrique de l'Ouest. Depuis le printemps dernier, 2 Américains et 1 Espagnol ont été rapatriés dans leurs pays respectifs pour y être soignés. L'OMS a exclu des restrictions sur les voyages internationaux, mais l'organisation demande aux compagnies de former leurs équipages. En attendant, les contrôles ont été renforcés en Sierra Leone et au Libéria, avec des prises de température dans les aéroports, la mise en quarantaine de plusieurs villes et de barrages sur les routes pour lutter contre la propagation d'Ebola.